Hey, what's wrong with you? Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde va bien? Désolé, j'ai pris du retard sur mes vidéos et désolé pour ma voix complètement pétée. J'ai pris du retard parce que tout simplement parce que je déménageais et donc je n'avais absolument pas le temps de faire une interview. Donc ce sera reporté pour le mois d'après. Mais en tout cas, je suis là avec encore une vidéo playlist d'octobre. Je pense que je vais trouver un autre nom. Parce que playlist docteur ou playlist de machin, c'est un peu relou. Pour l'instant, j'ai pas trouvé de nom. Si vous avez des idées, je suis preneuse. Voilà, on commence maintenant. C'est parti. Alors, numéro 1, on va parler de Youdima. Shit not confused, be strong and be soft. Yeah, shit not confused, be wrong and be lost. They wanna be kings, ignoring what it costs. She wanna find a prince without kissing the frog. Have a nice king, no soaking in the mud. You know what I mean? Look, I got this fucking stress on my mind. That this could be a mess and I can't calm down. It's like I need help but I can't call now. I'm still looking for my fucking way out. Damn, where do I belong? Where am I going? Knew it would be long to make things growing. And what I want, now what you calling? I fight on my own to try to find my way. Moi je suis tombé là-dessus par hasard sur Instagram. C'est un mec qui vient de Bordeaux, qui fait du rap, et il rappe depuis 10 ans, et ça fait 5 ans qu'il rappe en anglais. Moi je trouve que c'est, enfin il est carrément, enfin je comprends pas, c'est trop bien ce qu'il fait. Et j'ai l'impression que ça prend que par chez lui et que ça prend pas ailleurs. C'est grave dommage parce que c'est un peu du rap, enfin déjà c'est du rap bien puissant, un peu groovy, un peu funky, ça dépend des titres. Les clips ils sont carrément bien travaillés, enfin c'est carrément cool. Et je suis tombée là-dessus et du coup j'étais carrément, carrément surprise, agréablement surprise même. Il a des titres comme Cookie, enfin j'ai trop kiffé, Way Out ou d'autres sons. Il va sortir un EP qui sera disponible en streaming à partir de décembre. Sinon, pour ceux qui sont sur Bordeaux, du coup, vous avez carrément l'opportunité de l'acheter en physique. Donc les Bordelais, vous avez grave de la chance parce que franchement, ce gars-là, je suis tombé là-dessus et j'ai pas compris quoi. J'ai pas compris pourquoi pourquoi personne parle de lui. En plus, le mec, il est un tout petit peu mignon et tout machin. Ça devrait glisser crème. Mais non, voilà. Donc franchement, allez écouter ces titres. Moi c'est une petite découverte sympa que j'ai fait il y a quelques temps, il y a peut-être un mois ou deux par là. Et franchement je charbonne son Instagram, je charbonne ses titres et c'est carrément trop cool. Dès que son EP sera en streaming, ça finira dans mon petit iPod. Voilà. Numéro 2, maintenant on va parler de James Delec. Monolithe en couleur dans la froideur d'un petit empereur. Comme toujours l'air de rien, mais toujours l'air supérieur. Ils s'entrent ensemble, les hommes cailloux forment les murs. N'offrant au cri des peuples que des points de suture. Toi, le minuscule qui rêve d'être capital. Tu n'as plus rien d'organique, juste un vulgaire minéral. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, pardon, James Delec, c'est ça. Avec six thaïlandaises pour me masser, manger avec Michael Moore dans un resto indien. Le monoski, belle, mais pas Sébastien. Les Polaroid, Jonathan et leur cortège de souvenirs. Les Macintosh et les blagues qui font pas rire. Partir dans un fou rire sans s'arrêter, admirer Audrey Tautou, tout même si elle est habillée. Et il a fait partie aussi du collectif L'Atelier et du Club des 7. Alors ceux qui sont nés en 2000, je suis désolée mais c'était pendant cette période là. Moi c'était pendant mon adolescence un peu. Et j'ai toujours kiffé un peu le personnage que je trouvais un peu loufoque sur le côté. Il avait sorti deux albums, il en a sorti plus que deux. Mais moi j'ai saigné Le Cri du Papillon et Gravité Zéro. Donc si vous avez l'opportunité de tomber dessus, franchement, écoutez-les. Je trouve que ça fait grave le coup. Je suis retombé un peu sur lui parce que pour ceux qui l'ont vu, j'avais regardé le documentaire qui s'appelle Un jour peut-être,
une autre histoire du rap français. Franchement, si vous l'avez pas vu, allez-y. Enfin, je pense qu'il est disponible sur YouTube. Il se trouve assez facilement. Et du coup, ça retrace un peu toute l'histoire du rap de toutes ces années 90, 2000. Donc moi, enfin tous les groupes, genre TTC, Svinkels et compagnie, j'étais carrément dedans. Et du coup, en fait, à un moment, ça parle de lui. Et je me suis dit, mais c'est vrai, tiens, putain, qu'est-ce qui devient James Delec? Et du coup, je lui avais proposé de faire une interview via mon blog. Et il avait bien voulu la faire. Et c'est une des interviews les plus complètes que j'ai faites sur quelqu'un. Et je suis très très fier de cette interview. Et merci encore à tonton James d'avoir bien voulu répondre à mes petites questions. Et à partir de là, voilà, on est resté en contact. Et là, il va sortir un son par mois. Pendant peut-être toute l'année, j'ai pas trop compris encore. Tout ça pour dire qu'il revient sur le devant de la scène. Et moi, je suis trop contente parce que je le connais pas très bien, mais ça a l'air d'être un bête de gars. Et j'aime toujours, enfin moi j'aime bien quand les tontons du rap à l'enseigne y reviennent et tout machin. C'est, je sais pas, c'est un petit côté nostalgique qui me va bien. De toute façon, dans tous les cas, je vous balancerai les infos de tous les artistes en lien de description pour que vous puissiez tout retrouver. Et en aparté, en plus, j'apprends quoi ? J'apprends que Starlion, donc pour ceux qui ne connaissent pas, Starlion, c'est ça. Il y a un moment où il faut rendre l'amour ou les coups donnés par nos semblables. Je renais de mes cendres, buvais ceci et mon sang. Vierge, fragile, innocent, donc les démons s'emballent. Il y a un moment infime où il faut prendre le taureau par les cornes, car le temps passe puis s'en va. Man, il y a un moment où il nous faut grandir, bâtir sans répit, règle sans blague. Du coup, Stallion est une personnalité locale de Reims qui a fait du son. Au début, il traînait un peu avec Barcella, pour les Rémois, pour ceux qui connaissent. Il s'est un peu écarté de tout ça parce qu'il a eu des couacs avec certaines assos, enfin bref. Mais moi, je l'ai toujours soutenu de loin, ce gars-là. Enfin, il y en a plein qui ont essayé de le... Je sais pas, de le brimer, de le je sais pas quoi, parce que, enfin, voilà, moi, ce que j'aime chez ce gars-là, c'est que quand il a une chose à dire, il le dit, il est pas dans son coin à pester, genre, il le dit, il est franc, et c'est ce que je kiffe chez Nico, c'est que c'est une personnalité carrément entière. J'ai vu que James Delec allait produire l'album, ou une partie, ou, enfin, voilà, en tout cas, il collaborait avec Starlion, pour la sortie de l'album de Starlion ou l'EP de Starlion. Donc je suis grave contente que deux artistes que j'affectionne particulièrement travaillent ensemble en fait. La Starlion, pareil, ça restera du rap. Au début c'était un peu avec des petites influences slam, jazz, un peu groovy aussi. Mais bon voilà, ça reste dans la thématique rap. Et si vous n'avez pas l'occasion de connaître, allez écouter aussi. Je pense que c'est quelqu'un qui vaut le coup. Il avait même fait une collaboration avec une marque de champagne qui s'appelle du coup la bouteille s'appelle Corseam. Enfin, il y avait, je crois qu'il y avait un album qui tournait autour de ça où j'avais plus trop suivi le truc. Mais bon, bref, il est rempli de projets. C'est un excellent ami à Grems. Pareil, Grems, c'est un excellent rappeur. Pareil, allez checker si vous avez l'occasion. Donc voilà, Starlion, il est dans le starting block. Ça bosse avec James Delec. James Delec revient. Donc pour soutenir un peu les tontons du rap et pas que les genoux qui arrivent en ce moment, parce que même les anciens, ils ont encore des choses à raconter. 3, maintenant, on va parler de Sans Nom. Ah. Ferme ta bite, suce-moi la gueule. Je monte plus vite qu'un escaladeur. Je suis en combi, revenir chez toi, baiser ta mère. Et si tu te demandes qui je suis, viens passer pour les batteurs. Tu m'avais pas vu venir, je te préviens, ça brûle vite. Ah. Tu n'aurais pas pu tenir, je suis chaud comme la lune cigare. Et j'encule ta justice, et j'encule ta Justine. Ça. Je suis comme la drogue, tu sens rien, bientôt t'hallucineras. Votre musique de merde m'a fait niquer Harvard. Et pourtant elle s'essouffle comme Stevie Kenard. Ah, je fonce droit sur la route du succès. Alors sûrement pareil, ça vient de Reims, c'est encore du rap. Ouais, ça va être une vidéo un peu axée rap là. Sans Nom, c'est Augustin. Et je l'aime trop, je le connais pas des masses. J'aime trop ce personnage. Ce personnage tout le temps habillé en rouge avec cette marque de bière belge souvent...
collé sur ses vêtements. Un univers super cool, un peu déjanté. Je kiffe. Il a fait les premières parties de Gringe dans deux dates en Champagne-Ardenne, je sais plus où exactement. Lui et son frère Emile, ils bossent à fond. Là, j'ai vu qu'il était revenu avec un titre avec DJ Widim, qui était là genre what. Ça sortira dans la compile d'Halloween de DJ Widim, mais genre voilà quoi. Le mec a fait un featuring avec lui. Le son, il est trop drôle, il est trop bien. Le clip, il défonce. Enfin, c'est trop. Trop un peu un mini-val, enfin les rappeurs un peu loufoques comme lui, je kiffe à mort, enfin ça sort trop du lot. Et franchement, j'ai rien à dire, enfin t'as fait du trop bon taf Augustin, c'est trop carré. Je sais pas où t'en es sur tes projets, mais j'espère que ça va avancer comme ça, parce que là franchement moi tu m'as cloué au sol avec ce titre, je m'y attendais trop pas. Et ce que j'aime bien aussi chez cette personne, c'est que c'est pas quelqu'un qui se met constamment en avant sur les réseaux, enfin c'est pas... On sait pas trop, voilà, enfin s'il y a des trucs un peu comme tout le monde, mais il est pas dans attendez, le projet va arriver, tac 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 tac, puis d'un seul, c'est un peu un silencieux, puis d'un seul coup, bam, il y a un truc qui sort et bim quoi, ça c'est toujours cool, c'est toujours de qualité. Donc franchement, Augustin alias sans nom pute sur Instagram, franchement continue toi et ton frère, continuez, parce que franchement vous m'avez killed. Je sais pas quels sont les prochains sujets, les prochains projets, mais franchement continuez, vous avez tout niqué. Quatrième artiste, maintenant on va parler d'une femme qui s'appelle Johanna. Et maintenant je saigne, et maintenant je brûle, et maintenant je erre, et maintenant je erre. Je ris, et maintenant je pleure, et maintenant je perds, et maintenant je pleure. Je suis nue, ingénue, dépourvue, disparue depuis longtemps. Je suis Vénus, je suis Vénus, je ne suis pas Ève. J'ai rien croqué à part tes lèvres. Je suis Vénus, je ne suis pas Ève. J'ai rien croqué à part tes lèvres. Et pareil, Johanna, je suis tombée au hasard là-dessus en me baladant sur Instagram. C'est une toute petite jeune femme qui vient de Rennes et qui propose une pop un peu urbaine, super suave, super sensuelle. Ils sont très féminins, c'est très touchant, c'est tout doux, ça glisse. La meuf a un style et un charisme de dingue. Et Dieu sait que je suis pas normal... Enfin, normalement, je suis pas trop fan des meufs qui ont des petites voix, des petites filles un peu nanana. J'aime bien, moi, quand c'est un peu vénère et quand ça a des voix d'hommes un peu comme moi. Et elle, pour le coup, ça m'a grave touché. Enfin, j'ai pas carrément kiffé le personnage, j'ai carrément kiffé ses textes. Là, elle a sorti un clip dont le titre est Vénus, j'ai adoré. Avant, j'étais déjà tombé sur un de ses titres qu'elle a sorti il y a un an, je crois, qui s'appelle Séduction. Entre temps, il y a eu d'autres titres, dont Oasis, qui est très très bon. On sait pas plus sur la demoiselle, mais franchement, pour ce que je vois, c'est carrément chambé. Donc pareil, si vous avez l'occasion d'aller écouter, allez-y, les yeux fermés, c'est cool. Franchement, j'ai pas grand chose à dire là-dessus sur elle, parce que j'ai pas trop trouvé d'infos, mais voilà, allez-y. Je sais pas, ça glisse tout seul en fait, c'est tout doux, ça t'enveloppe, ça te réchauffe, ça te... je sais pas, c'est trop bien. Enfin, cinquième artiste, alors là, paf, c'est même pas des Français, ce sont des Canadiennes, on sort de la France les gars. D'ailleurs, dans tous les cas, dans les prochaines vidéos, je vais pas forcément parler d'artistes forcément français, je vais aussi parler d'anglais, d'américain, de tout. Mais bref, et donc là, on va parler de The Sorority. Okay now, all the girls standing in the line for a concert. All the men trying to get this girl out of Converse. If you hold my money, you could probably get a free verse. Before I hit the pen, I'ma show you what I mean first. Fuck with my crew, they go Zena, Athena, Selena. I'm Frida, that feeling with Zizza, and Gina. Go Gina. My kick's been so clean since I linked up with Keisha. This beat got the key. Shit, hold it down for the independence. Ignorant mighty got us reppin'. Phoenix been the plugs for the blessing, and ever since the cycle, we ain't slow down for a second. Can't even stand at the way we've been blowing, while everyone sucking like car games in college. Remember the name, cause it's about to be fresh again. Rap shit don't work, we gon' fall back on my legs. All my ladies fly,
SRTY. I got some bad ones in my ride. SRTY. You know my sister's getting live. SRTY. Maybe some secrets between our thighs. SRTY. Et donc ça, c'est ma pote Claire, alias Opal's World. Je vous en parlerai très prochainement parce qu'elle va sortir son album, que je vais sûrement l'interviewer chez elle quand elle sera à Lille, qui m'a fait... Enfin bref, on était en soirée entre meufs avec avec notre pote Julie et elle m'a fait écouter ce truc-là parce que ça lui donnait des inspirations pour des choses et scotché, quoi. J'étais là, genre, c'est trop ce genre de mood que j'aime, les gangs de meufs, tac, 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 je kiffe à mort. Écoutez leur album, il y en a un qui est sorti en 2018 qui s'appelle Pledge. Et franchement, je kiffe. C'est que des textes un peu bim bam boum, badaboum boum boum, un peu engagé, un peu girl power. Et franchement, c'est tout ce qu'il me faut en ce moment. Donc voilà. C'est pas plus non plus sur ces filles-là, mais j'ai saigné l'album. Et dans mon iPod, n'hésitez pas à cliquer fort aussi sur ces meufs-là. Donc voilà, la vidéo est finie, je ne sais que dire. Pour ceux encore qui l'ont pas vu, franchement, allez voir ce documentaire, un jour peut-être, une autre histoire du rap français, je sais plus qui l'a réalisé, mais franchement, il est trop cool. Moi, je l'ai dû le mater trois fois, à chaque fois j'ai pleuré, j'allais savoir pourquoi, mais ça m'a trop ému de revoir des artistes que j'affectionnais quand j'étais ado, raconter tout ce parcours, même pas la déchéance, c'est pas du tout le terme approprié, mais genre, comment tu passes au succès un peu après à l'oubli, avec les nouvelles têtes qui sont arrivées petit à petit, les incompréhensions, parce qu'aussi à ce moment-là, le rap c'était pas aussi démocratisé qu'aujourd'hui, donc c'était carrément plus compliqué, puis il y en avait des textes qui étaient bien, enfin genre TTC ou même Lesbian Cast, il y avait des textes qui étaient pépites. En bonus, dans la dernière vidéo, je parlais d'Isolt, et Isolt a sorti son EP qui s'appelle Noir, et franchement, allez-y aussi, cliquez fort sur Isolt, c'est un truc de ouf, c'est trop beau, enfin bref, j'ai même pas les mots, je crois, c'est... Il y a des chansons, j'étais là, genre, mais ok. Et en plus, elle est trop mignonne parce qu'elle avait fait un live Instagram pour remercier les gens. Elle pleurait et tout, enfin, trop mignonne, franchement. Donc voilà, allez lui donner de la force à les autres qui viennent de sortir son dernier EP. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain avec une autre vidéo playlist. Encore une fois, si vous avez des idées de noms pour illustrer cette rubrique, je suis carrément preneuse. Et on se retrouve avec une interview normalement. Alors, soit elle sera filmée par mes soins, soit elle sera filmée un peu par le boulot. C'est un peu compliqué. Parce que c'est un artiste un peu de renom qui est un ami à moi. Donc on va voir comment on va goupiller ça. Mais du coup, ça peut compenser le manque d'interview de ce mois-ci avec ce gars-là. Et voilà, ça va être si ça se fait, ça va être super. D'ici là, portez-vous bien. Là on est chez moi. Encore une fois, c'est un décor, enfin rien n'est fait. Le décor va changer. Moi je me suis mis là, mais je peux me mettre ailleurs, enfin bref. On verra pour ça plus tard. D'ici là, portez-vous bien. Continuez à supporter vos artistes locaux, continuez à écouter de la musique et continuez à faire votre life comme il se doit. Salut. Thank you.